Wow, bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Comme promis, nous sommes de retour pour un autre témoignage puissant sur notre balle. Croyez-vous à l'existence du diable? Ou encore, croyez-vous à l'existence de ce démon? Déjà, vous devez savoir que les démons ne sont pas nos amis. Les démons ne sont pas nos protecteurs. Les démons n'ont rien à faire avec nous, sinon de nous détruire. Et détruit le monde comme leur chef, Satan, Lucifer. Et nous, les humains, tous les jours de notre vie, nous devons tout faire pour être positifs, afin que Dieu lui-même puisse faire descendre son Saint-Esprit sur nous, son bon esprit, et même ses anges pour nous garder. Lui-même, il va nous tenir dans le creux de sa main. Mais si nous commettons des bêtises, si nous péchons, que va-t-il se passer? Quand nous péchons, nous éloignons les bonnes choses de nous et attirons ces démons qui sont toujours autour de nous pour nous tendre des pièges. Par-ci et par-là, on voit quoi? On voit la séduction. La manière dont les filles s'habillent. La manière dont on voit les filles à la plage. Au bureau, elles sont bien habillées. Mais sur la plage, on voit tout. Quand elles marchent dans la rue et que le vent soulève leur robe, elles sont gênées. Mais sur la plage, elles nous montrent tout. Moi, je ne comprends pas. Dans quel monde sommes-nous? Nous sommes dans un monde terrible. Et les démons sont en train de travailler d'une manière ou d'une autre pour pousser les gens à pécher. Parce que oui, les démons se nourrissent des péchés des gens. Quand vous péchez, vous donnez la légalité au diable même et ses démons de pouvoir faire tout ce dont ils ont envie de faire de vous. C'est là qu'on va assister au cas de possession démoniaque. Ah, les gens sont possédés sans le savoir. Comment une personne peut-elle être possédée sans le savoir? C'est simple. Dans ses œuvres, nous allons tout voir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de filles qui s'habillent de façon sexy. Et elles espèrent que les jeunes gens ou les hommes les regardent étant habillés de la sorte. C'est la séduction. Ou encore, l'esprit de séduction. C'est un démon. Et ce démon-là travaille pour conduire les jeunes gens dans la masturbation. Ça veut dire que les jeunes filles qui vont accepter de s'habiller de façon sexy vont malheureusement commencer à servir ce démon de la séduction. Les filles d'aujourd'hui veulent ressembler aux sirènes. Les femmes veulent être de plus en plus sexy. Le diable et ses démons ont inventé des trucs. Et il a décidé de rendre les femmes toujours jolies, à tout moment. On commençait par les make-up. Les make-up, les rouges à lèvres. Les fonds de teint passés par là. Mais ça, ce n'est encore rien, ça. Dis à ton ami qu'à côté, ça, ce n'est encore rien, ça. Dis à ta soeur qu'à côté, ça, tu n'as encore rien, ça, tu n'as encore rien vu. Le diable allait plus loin. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Les filles qui ont des petits seins, on va augmenter la forme de vos seins et faire en sorte que vos seins deviennent de plus en plus gigantesques. Et vous avez la possibilité de choisir la taille. Quoi? Et mais j'hallucine ou quoi? Dans quel monde sommes-nous? Nous sommes dans un monde où les gens ont décidé de perdre leur valeur. Les gens ont décidé de se détacher de la volonté de Dieu pour s'attacher aux esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Vous pouvez penser que ce sont des histoires et que vous pouvez même penser que tout ce que nous sommes en train de vous raconter, ce sont des bêtises. Mais comme vous allez entendre ça, vous serez même surpris. Écoutons. Ah, j'oubliais. Comme c'est une histoire des démons et tout ça, nous allons prier. Et demandez vraiment à Dieu de nous protéger. Que Dieu protège toutes les personnes qui écoutent ce témoignage puissant. Les deux femmes disons tous ensemble, Éternel notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ, ne nous laisse pas dans l'ignorance. Nous savons que l'ignorance tue et que par manque de connaissance, ton peuple meurt. S'il te plaît, viens nous révéler tout ce que nous devons savoir afin d'être sauvés. Nous sommes dans un monde terrible
où des démons dans le monde invisible travaillent pour nous conduire dans le péché et nous emprisonner dans les cages. S'il te plaît, Seigneur, délivre-nous de la prison des vêtements sexy. Délivre-nous de la prison des cigarettes. Délivre-nous de la prison de l'alcool et de toutes les addictions qui puissent exister dans ce monde, même l'addiction aux jeux vidéo. Et toutes ces choses possibles et impossibles que le diable essaie de créer pour maintenir le monde dans son royaume. S'il te plaît, Seigneur Jésus, viens nous ouvrir les yeux et nous faire découvrir la vérité. Tout ce qui se passe dans ce monde, même dans le ciel, même dans l'espace, afin que nous puissions découvrir ce qu'il faut. Merci Seigneur de ce que tu vas ouvrir les yeux à tout le monde et tu permettras à nous tous ici d'avoir la force d'abandonner tout ce qui n'est pas de gloire. Amen. Mes frères et sœurs, nous vous aimons. C'est pourquoi nous vous partageons cette vidéo. Vous pouvez en faire de même et permettre à toute personne de découvrir toutes ces choses. Même si ce n'est pas joli, joli, nous devons vraiment nous intéresser à cela. On nous dit chez nous, sachez que si vous ne vous intéressez pas au diable, le diable s'intéresse à vous. Pas pour vous faire du bien, mais pour vous détruire. Et qu'est-ce qu'il fait? Au travers de cette voix puissante, nous allons juste vous avoir une petite portion de ce qui se passe. Écoutons. Je vais maintenant raconter mon témoignage. Ce qui s'est passé a été une expérience hors de mon corps, car je n'ai pas le don de la vision spirituelle. J'ai prié à l'aube et l'ange de Dieu est descendu vers moi et a transporté mon âme hors de mon corps. Wow. Quand mon âme a quitté mon corps, je pouvais voir les puissances de Satan dans l'air. Je veux vous raconter comment j'ai vu les princes qui gouvernent le monde spirituel. J'ai aussi vu les principautés qui règnent dans diverses parties du monde. Ce que j'étais autorisé à voir n'était que 28 principautés de différentes parties du monde. Ils gouvernent les quatre coins de la planète, et il y avait 7 principautés au nord, 7 principautés au sud, 7 à l'ouest et 7 à l'est. Ces principautés influencent le monde. Leurs trônes sont sur la terre. Ces puissances ont érigé leurs trônes dans des endroits de la terre, comme les sommets des montagnes, dans des endroits très élevés, les plus pervers de la terre. Il y a des trônes érigés par des puissances qui gouvernent des nations entières ayant des langues et de cultures différentes. Ils règnent dans des endroits où les sectes et les fausses religions comme l'hindouisme, le bouddhisme et l'islam prédominent. Ce sont des territoires où les principautés ont conquis. Il y a aussi des endroits où le satanisme et le nouvel âge dominent, car il y a des princes qui travaillent pour le royaume des ténèbres dans ce territoire. Ces princes sont des géants, et il y a des castes de démons qui travaillent pour eux. Tout ce que ces princes instruisent, ces démons exécutent. Ces démons provoquent la destruction à la demande de ces principautés. J'ai vu des princes qui sont dans l'air, certaines dans l'univers et d'autres bien au-dessus des nuages. Certains restent dans l'atmosphère et d'autres restent en dehors de cette planète. Ces principautés sont si fortes qu'elles peuvent tirer et projeter des météores, wow, des astéroïdes et même des comètes ou toute autre pierre spatiale sur notre planète. Parfois, j'ai peur de parler ces révélations dans l'église du réveil, mais certains critiques devraient remercier Dieu et aussi rester en alerte. Certains dévalueront mon expérience et amèneront les gens à ne pas croire en ces révélations. Matthieu 26 verset 41 dit que nous devrions veiller et prier, afin que nous ne puissions pas tomber dans les tentations. Lorsque vous marchez dans la doctrine et que vous êtes un sentinelle, vous tomberez dans la tentation à moins de veiller et de prier. Même si le diable n'a pas le corps, il utilisera la bouche des frères pour manipuler ceux qui ne veuillent pas et ne prient pas. Dans Matthieu 16 verset 22 et 23. Le même apôtre Pierre a été utilisé par le Saint-Esprit pour dire que Jésus est le Messie. Plus tard, sa bouche a été manipulée par Satan pour s'opposer à la mort de Jésus. Mais pourtant, Pierre était le disciple le plus important de Jésus, qui a reçu la prophétie et la clé du ciel. Prenons garde et arrêtons de penser que les démons ne peuvent pas manipuler notre bouche avec les critiques. Si vous ne veuillez pas, les démons vont manipuler votre bouche parce que vous n'avez pas la moindre idée du pouvoir maléfique que les démons ont dans le monde spirituel. Le problème du peuple de Dieu est l'utilisation de notre bouche dans des commérages, des critiques et de calomnies, des démons inférieurs. Le Seigneur m'a montré les démons de classe inférieure, ceux qui sont envoyés pour accomplir leurs tâches par les princes. Ils sont les démons pions, c'est-à-dire ceux qui sont dans la classe la plus basse de la hiérarchie. Ces démons sont plus faibles et plus faciles à chasser du corps de gens.
ces démons qui sont commandés d'agir sont féroces et visent à posséder des corps, où ils peuvent vivre. L'ange m'a montré une personne possédée. Je pouvais voir un horrible démon à l'intérieur de cette personne. Le démon se nourrissait du péché de cette personne, la personne allait assister au carnaval et s'est prostituée, et ce démon qui était à l'intérieur du corps de la personne a commencé à grandir à cause du péché. J'ai demandé à l'ange ce qui se passait, l'ange a expliqué que plus cette personne vit dans le péché, plus elle donne de force à ce démon, et quand cela se produit, le démon devient plus fort et devient grand, et il devient plus difficile de se libérer de lui. Les pasteurs parviendront à chasser ce démon quand il entre au début, mais cependant quand le démon commence à évoluer au sein de la personne, il devient de plus en plus difficile pour lui de quitter. Quand le démon reste de nombreuses années dans le corps de la personne se nourrissant du péché de cette personne, ce n'est pas n'importe quel pasteur qui peut vous délivrer. L'ange m'a montré une vision. Il y a 5 ans, un pasteur sortait le démon d'une personne. Cette personne ne s'est pas repentie, pourtant c'était le début de la possession. Comme résultat, le démon ne voulait pas sortir. Et 5 ans plus tard, le démon était toujours en elle et le même pasteur n'a pas réussi à sortir le même démon. Non pas parce qu'il a perdu la puissance, mais parce que ce démon s'est développé et se fortifié au sein de la personne à cause du péché que la personne commettait. L'ange m'a montré le péché, sous la forme d'une fumée qui sentait mauvais. Les démons se nourrissaient de cette fumée puante qui sortait du corps des gens qui étaient dans le péché. Je veux avertir les croyants de ne pas tolérer le péché pendant longtemps. Il deviendra impossible de se libérer du démon que vous nourrissez et vous donner de la force. Si vous voulez vaincre ce démon, vous devez couper la source qui est sa nourriture, qui est le péché que vous faites, car en péchant, vous donnez de la force et de la légalité à ce démon. L'ange m'a montré un garçon qui était possédé. Au fil du temps, la personnalité de ce garçon a commencé à changer. Il est allé d'un garçon timide à une impudique. Il a perdu la honte et a commencé à danser dans les balades. Ce petit buveur a commencé à boire beaucoup. Il avait pourtant du mal à parler aux femmes auparavant, mais sa personnalité a changé à cause de ce démon qui a changé ses manières. Le démon qui habitait dans son corps lui donnait des diverses compétences pour qu'il puisse tromper, mentir et séduire les femmes. L'ange m'a montré une femme qui a commis divers péchés et ses amis ont commis la même pratique. Ils étaient encouragés par elle. Les démons qui étaient dans cette femme a été partagés et transmis à ses amis. Une partie de sa légion est entrée dans le corps de ses amis quand ses amis ont commencé à imiter ses habitudes. Les démons sont entrés eux à cause de ces pratiques qu'ils aiment tellement. Ces femmes en buvant ont attiré les démons de l'alcool. Ils ont attiré des démons sexuels et quand ils dansent lors de fêtes, ils ont attiré des démons dansant. Il y a des démons qui agissent dans la famille, d'autres au sein de l'église, d'autres agissent en politique et d'autres en économie, d'autres agissent sur la technologie et d'autres sur le domaine sexuel et ainsi de suite. Chaque démon a sa personnalité. J'ai vu un démon qui a un comportement agressif qui fait que le mari battre leur femme à mort. Les démons de l'air, permettez-moi de parler de puissances qui volent dans les airs. Ce sont des démons qui ont des ailes, ce sont des démons ayant 1 mètre, 3 mètres et ces démons abattent des avions, des hélicoptères et autres engins spatiaux. Les puissances de l'air sont des démons qui dominent l'espace et tout l'univers. Ces démons spatiaux font des guerres dans le ciel et empêchent nos prières d'aller à Dieu. Ces pouvoirs essaient d'empêcher l'ange de Dieu d'apporter de bénédictions au peuple de Dieu. Ce sont des trônes et des pouvoirs qui règnent dans l'univers. Ils font la loi et donnent des ordres aux démons pour attaquer la terre. Ces pouvoirs font des signes dans le ciel et font tomber le feu du ciel. Le prince de l'air Apollo, il y avait aussi un prince qui a son trône en l'air. Je n'avais jamais vu une telle principauté, il était terrible et si grand qu'il mesurait 9 mètres de haut. Cette principauté régit également les légions de démons qui habitent les régions. Ce prince s'appelle Apollo, et il était adoré par la Grèce antique. Ils ont même fait des statues pour lui. Ce prince était très proche du soleil car il brillait comme une étoile. Il est appelé un prince éclatant et brillant. Il se dresse sur les hauteurs de l'univers et comment le démon qui inspire des hommes a créé des recettes. Il a alors inspiré les auteurs et les écrivains à produire des films et des rythmes en musique. Ce prince a aussi une armée de démons féminins qui travaillent pour lui. Ces entités sont deux muses qui travaillent dans le monde des esprits. Elles encouragent les femmes à être des modèles, des danseuses et des prostituées. Au sein de cette armée maléfique, il y avait une muse en chef qui reçoit des ordres de ce prince appelé Apollo et les passe aux légions des muses de démons. Ces muses encouragent les plaisirs sexuels et la séduction et aussi les danses sexy ici au Brésil. Il y a aussi d'autres classes de démons sexuels qui sont en fait sous l'ordre de cette principauté qui s'appelle Apollo. Ce prince fait descendre le feu du ciel dans les églises de faux prophètes. Ce prince au nom d'Apollo reçoit des louanges de chantres évangéliques qui ne sont pas inspirées. Quand ces louanges montent sous forme d'encens envers Dieu, le Seigneur les rejette sur terre, et ce prince de l'air reçoit ses louanges.
Ce prince Apollo est aussi appelé l'esprit de feu et de la chaleur, car il a son trône érigé à côté du soleil, il fait des signes en faisant descendre du feu dans le ciel. J'ai aussi vu une armée de démons nymphes qui travaillent pour lui. Les légendes des listes ont été inspirées par ces démons. Ces esprits de nymphes sont des esprits de luxure et ils sont aussi dans le sexe. Ce sont des démons qui rendent les femmes séduisantes. Ces démons encouragent les femmes à avoir des opérations de plastique. Ces classes de démons sont toujours invoquées dans des rituels qui ont lieu dans les forêts et les mers et les montagnes. Aujourd'hui, elle usurpe l'identité d'autres entités, pas comme avant. Ce prince qui était adoré dans la Grèce antique, Apollo, est le roi appelé en hébreu Abaddon, qui sera opérationnel sur Terre dans la grande tribulation. Il est l'un des rois de Satan qui va ouvrir la base de commandement de l'abîme afin de commander les démons les plus terribles qui seront lâchés sur Terre dans la tribulation. Apollo recevra la clé de Jésus pour ouvrir l'abîme. Il est tellement proche de Satan et il est l'un des rois du monde des esprits en qui il a confiance. Et donc Apollo conduira les troupes de l'abîme, les démons de la terre. Nous qui sommes croyants devons résister aux tentations. Les démons de la terre font la guerre aux chrétiens mais ne pouvant pas les posséder. Les hôtes de la terre se battent contre les croyants au sein de l'église et aussi dans leur maison. Ces démons sont déployés, assignés et postés à côté des enfants de Dieu. Nous étions en train de prier, du coup ma vision a été activée. J'ai vu qu'ils étaient autour de nous, mais il y avait un mur de feu autour de ma maison. Comme nous avons continué à prier, le mur de feu ne permettait pas aux démons de franchir. J'ai également vu les dominations, qui sont les démons qui possèdent le corps des gens. Ces démons sont des démons qui ne peuvent que détruire le corps d'une personne. Ils peuvent posséder leur corps car ils habitent des corps. Tous les démons ne possèdent pas forcément de corps de gens. Certains visent à perturber la vie des gens par la régression, et mettent de barrières dans la vie des gens et rendent la vie difficile à beaucoup. J'ai vu un démon qui a une douce personnalité calme et sereine, mais il est un manipulateur vénéneux et il a le pouvoir de persuader les gens en mettant certains contre les autres. Ce genre de démon, chaque fois qu'il prend le contrôle de la vie de la personne obtient une grande pouvoir de manipulation et peut convaincre les gens comme ça. Il parvient à former des groupes au sein de l'église pour provoquer la division et faire sortir les croyants de l'église. Des gens comme ça entraîneront plusieurs avec eux. Ces gens peuvent mettre le troupeau contre son berger avec cet esprit. Ils deviennent tout rebelles contre le leadership. L'autre démon que j'ai vu était sensuel et séduisant. Quand elle entre dans une personne, elle passe toutes ses caractéristiques sur cette personne. La femme qui est possédée obtient la même personnalité que ce démon, qui est séductrice et sensuelle. Le prince Mammon, j'ai aussi vu un autre principauté sur son trône dans les airs. Il est appelé le dieu de l'argent. Ce démon de la richesse font que les gens font des pactes et vendent leur âme pour l'argent. Il encourage les faux prophètes à prêcher la prospérité. Ce prince fait que les faux prophètes volent la dîme et les offrandes de la maison de prière, et donc les faux prophètes s'enrichissent. Il met aussi la cupidité dans le cœur des gens pour que les gens n'aident pas les autres. Il met aussi des ambitions dans le cœur des gens pour que les gens ne soient pas satisfaits de ce qu'ils ont. Et chaque fois nous remarquons que les riches veulent rester plus riches et accumuler des richesses. Ils ne veulent pas aider personne. Le Seigneur m'a révélé que cette principauté agit sur le cœur de l'homme pour contrôler sa volonté. Il met également le désir matériel dans le cœur des gens comme étant le principal élément de leur vie. J'ai aussi vu des milliers de démons capitalistes agissant dans le domaine financier. La plupart de ces banquiers ont ces esprits qui agissent dans leur vie. Les banquiers sont gourmands et désireux de bâtir des empires. Les banquiers les plus performants font un pacte avec Mammon, l'ange de la mort. Satan n'est pas omniprésent pour être à différents endroits en même temps. Il a donc des milliers de démons qui se sont répandus aux quatre coins du monde, comme l'esprit de mort qui ne peut pas être partout en même temps. Donc des millions d'esprits de mort sont dispersés dans le monde entier. Ces moissonneurs rassemblent les âmes des personnes qui meurent partout sur la planète. Le Seigneur m'a montré une principauté appelée la mort. Il est terrible et il est aussi mauvais. Il a un trône en enfer. Comme nous sommes descendus en enfer, j'ai vu que l'ange de la mort donne des ordres aux esprits de mort de tuer de millions de personnes. Il a donné l'ordre de rassembler les âmes qui appartiennent à l'enfer. Le roi de Perse, j'ai été informé que ces principautés sont appelées des rois dans le monde des esprits. J'ai entendu que les rois de Perse sont aujourd'hui des principautés qui gouvernent des pays comme l'Iran, la Syrie, l'Irak, le Liban, la Jordanie, Égypte, Turquie, Afghanistan, Pakistan et Libye. Tous ces pays sont musulmans et ils persécutent les chrétiens. Les rois de Perse dominent encore ces territoires. Un de ces princes a été transfiguré en ange Gabriel afin de tromper le prophète Mahomet dans une fausse religion. Ces principautés ont fondé et propagé l'islam dans ces pays afin d'empêcher l'entrée de l'évangile sur leur territoire.
Dans cette vision, j'ai vu une armée de démons qui ont encerclé tout le territoire musulman. Ils sont déployés et postés en garde et ils agissent comme gardiens pour que leurs ennemis ne viennent pas prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Ils ont marqué leur territoire. Cependant, j'ai vu un chrétien qui a réussi à pénétrer à l'intérieur de l'Irak. Ce chrétien a réussi à pénétrer à l'intérieur de la forteresse de puissance du mal. Les démons ne pouvaient pas voir ces croyants, pas même le roi qui commande les troupes infernales de ce région. Cet homme était couvert du sang de Jésus-Christ de la tête aux pieds, qui empêchait les forces du mal de le voir, le prince Belial. Mon esprit a été emmené en Asie, au Moyen-Orient, et il y a une grande principauté régnant dans ces pays. Les noms de ces pays sont Israël, Égypte, Jordanie, Liban, Syrie, Turquie, Irak aussi, Iran et plus. Le Seigneur a dévoilé le nom de ce prince maléfique qui est Belial et l'un des commandants de Satan. Ce roi envoie des démons profanes pour détruire les familles, mettant la désunion, la toxicomanie, les combats, le drogue et boissons. Le sataniste qui fait un pacte avec le prince Belial obtient des positions élevées et il est reconnu dans le monde. L'ange m'a montré le rite sexuel d'un sataniste qui devait avoir des relations sexuelles avec plusieurs femmes en même temps. Et pendant ce rituel, un bébé nouveau-né était sacrifié. Et les prostituées ont dû boire le sang de l'enfant dans ce rituel. Le Seigneur a révélé également que ce prince a une puissance maléfique qui contrôle les pensées et le cœur des peuples. J'ai vu des gens influencés par des esprits méchants, comme des musulmans qui tuent les chrétiens. Ce démon fait que des musulmans violent des femmes chrétiennes. Cette principauté est perverse et incite à la méchanceté chez les hommes et contrôle l'esprit de personnes et place en eux le désir voir de la pornographie. Le prince Belial commande toute l'Asie et ordonne le meurtre de tous ceux qui n'ont pas de valeur dans le spirituel. Les gens qui n'ont pas de valeur sont tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus comme leur sauveur. Mon esprit a quitté le Moyen-Orient et est allé en Extrême-Orient. J'étais au Japon et j'ai vu des esprits geisha qui sont en fait des esprits malins. Ce sont des esprits de séduction, de la fornication et de l'adultère. Ces mauvais esprits incitent les hommes à tromper leurs femmes et vice-versa. Ils font que les femmes se peindre et s'habiller sexy. Ils font aussi embellir les femmes avec ces maquillages diaboliques. Ils ont la même fonction que les démons colombes du Brésil, les démons de la mer. Dans cette vision, j'ai aussi vu des esprits marins qui habitent dans les eaux. Ils sont ceux qui ont coulé des bateaux et des navires et ils pénètrent dans les animaux et les poussent à dévorer des humains. Ces hôtes tuent des gens en le noyant dans les rivières et dans les mers. Ils secouent les eaux formant des vagues qui causent de destruction. Ils rendent les mers en colère et même font tourner le moulin dans les eaux. Ces démons secouent les eaux qui forment des rats de marée. Parmi eux vous avez également le démon Imanja. Ce sont des entités qui font partie du monde spirituel qui contrôle les eaux. Il y avait des sirènes, d'autres démons qui vivent dans le monde sous-marin. Il y a l'un des chefs qui commande le monde spirituel, le monde marin. Il est Poséidon. C'est une personnalité forte qui commande les démons nœuds. Il est une entité qui ressemble à un homme. Il y a une principauté dans la télévision qui fait idolâtrer les gens. Ce puissance encourage également l'attachement aux choses du monde. Il fait que les gens aient leur attention sur les biens matériels. Aujourd'hui, nous voyons des enfants tuer leurs parents pour garder leur héritage et des femmes ont divorcé de leur mari pour garder leurs biens et pensions. L'ange m'a montré l'un de prince de Satan et aussi de la destruction. Ce prince Belial transporte beaucoup d'âmes en enfer. Ce roi du Moyen-Orient est l'un des rois de Perse qui a agi dans le passé et continue d'agir. Ce prince a également élevé de faux prophètes et sorciers. Il a mis l'ivrognerie dans l'esprit des gens. Quand cet ivrogne ne peut pas se libérer sous l'envoûtement de ce démon, certains se demandent si Ziplita est le dieu de l'alcool et aussi de la cigarette. Je parle des pays du Moyen-Orient en Asie. Zepilintra est juste une entité qui agit au Brésil. Joepilintra n'est pas la principauté mais un esprit maléfique recevant des ordres du patron. Je parle de démons de l'autre côté du monde qui sont pires que celui du Brésil. Chaque pays a ses propres démons. Les démons qui travaillent dans le domaine sexuel du Brésil est un type de démon différent de celui qui agit en Asie. J'ai aussi vu des millions de démons dévoreurs. Ils agissent dans la vie financière dévorant et détruisant tout. Comme les autres démons, cette légion de dévoreurs et coupeurs sont des démons dissuasifs. Ils ne laissent pas les gens qui ont obtenu leur diplôme obtenir un emploi dans leur domaine. Là sont des gens qui ne peuvent pas conserver un emploi et sont toujours renvoyés. Il y a des gens qui ne peuvent pas développer une entreprise. Les meilleurs de ces gens ne sont jamais complets. Ils peuvent même obtenir un emploi mais ils ne restent pas longtemps dans une entreprise. Ils peuvent avoir une petite amie mais peu de temps après être entrés en relation, ils vont se séparer. Ce sont des couples qui vivent même ensemble mais ne peuvent pas vivre un amour complet. Ces démons coupent tout ce qui les attire. Quand l'argent devient beaucoup plus important que Dieu, les démons coupeurs et dévoreurs viennent.
combien de gens idolâtrent ces notes de papier, ils voient leurs frères dans le besoin et n'ont pas le courage de faire un don. Les gens ne dépensent pas d'argent pour ce qui est utile et qui plaît à Dieu, ils vont sûrement dépenser avec des choses inutiles. Une autre légion dans laquelle il y avait des démons migrants sont des démons qui opèrent dans les maisons, ces démons migrants appelés des dévoreurs. Tous ces démons sont liés à la déviation car ils sont des dévoreurs. Ils font passer de vos mains l'argent à travers les dépenses. Ce sont des coupeurs, qui travaillent où il y a la désobéissance, le matérialisme et un attachement aux richesses. Un théologien m'a dit que les dévoreurs, le destructeur, les coupeurs migrateurs sont des nations païennes que Dieu a envoyées pour détruire le peuple d'Israël. Il a cité la Syrie et Babylone. J'ai dit qu'aujourd'hui l'ennemi du peuple de Dieu est Satan et ses démons. Au temps de la fin l'ennemi est devenu spirituel, parce que dans la loi de Moïse était l'œil pour l'œil et la dent pour la dent. Mais aujourd'hui c'est différent parce que nous devons aimer, le temps que les gens de Moïse tuent votre voisin et l'ont comme ennemi. Aujourd'hui nos ennemis sont ces régions qui sont des postes de principauté et des pouvoirs égaux à ce que Paul dit Éphésiens 6 que notre lutte n'est pas contre la chair au temps du peuple d'Israël avec les mineurs qui dévoraient les coupeurs les destructeurs étaient les nations mais à l'époque de l'église le migrant, il coupait de les résidents et les distributeurs sont les démons. Le théologien ne comprendra pas cela parce que l'homme charnel ne comprend pas les choses de l'esprit, les expériences surnaturelles sont trop pour les hommes lettrés. Ces démons agissant dans le domaine de la finance qu'ils doivent accomplir ce la Bible dit qu'ils sont soumis. Ces quatre classes de démons blâment ce que la Bible détermine que ces légions travaillent avec la principauté. Nous avons entendu ça, mes frères et sœurs. Vous avez vu, nous ne racontons pas des histoires. Ce sont des choses qui sont même réelles. Vous-même, vous pouvez nous en dire plus. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant et partagez cette vidéo. Et ne manquez pas la prochaine vidéo. Nous venons de nous réveiller, nous sommes même chauds pour la prochaine vidéo. C'est tout du tout hors du commun qui se passe dans le monde que nous avons envie de partager avec vous. Restez connectés.